Ça fait 2 ans donc, qu'on est complet sur cette période-là et on a des demandes très fréquentes en fait pour voir des gens qui cherchent des chambres. Ça va être assez compliqué de réserver à dernière minute, s'y prendre très tôt à l'avance. On a l'Armada de Rouen aussi qui tombe au même moment. Donc du coup, il va y avoir énormément de monde sur la Normandie, sur les plages et sur toute la Normandie. Et les hébergements vont manquer, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour pouvoir réserver. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôtels et de chambres d'hôtes, certainement, qui profitent de ce moment-là pour augmenter leur prix. Mais moi, je ne suis pas dans cette catégorie. Sur l'ensemble du secteur des plages du débarquement, on parle de pratiquement 5 millions de visites chaque année. Ce tourisme lié au débarquement est un tourisme qui ne cesse de progresser. Et ça progresse également parce qu'il existe une dynamique très forte dans cette région. Les musées investissent sans cesse, les collectivités investissent sans cesse. Et il y a de très forts programmes également d'animation, d'événementiel.